Bonjour les amis, ben voilà, encore deux pigeonneaux dans mon balcon. La maman, elle aime bien mon gazon. Ben, je vous présente deux pigeonneaux. Ben voilà. Aïe, ils aiment bien mon balcon et mon gazon. Qu'est-ce que je vais faire? Ben moi-même, j'ai pas le choix, je vais laisser ce qu'ils vont grandir. Ben, la maman, elle se le nourrit elle-même. Je ne nourris aucun d'eux, ni la maman, ni elle, comme ça va chercher la nourriture dehors. Pas comme j'ai fait la première fois. Maintenant, les petits bébés pigeonneaux, ils sont bien en vie. Je les surveillais 24 heures sur 24. Voilà, deux petits pigeonneaux. Trop mignons. Ils vont grandir. Maintenant, je vais les protéger avec une sorte de parapluie. Sinon, ils vont crever de... Ils vont crever de chaud, hein. Voilà, je vais mettre un parapluie pour les protéger. Voilà. Voilà, comme ça je les protège. Voilà. Et voilà, comme ça ils sont protégés contre le soleil. Ils ressemblent à des poulets. Voilà, deux petits pigeonneaux dans mon balcon. La maman, je sais pas, elle va arriver. Bada. Je les ai protégés, Bada. Je vais mettre quelque chose de lourd sur le truc. Voilà. Allez, une petite 10 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ils vont bouger un petit peu, bouger. Sans qu'ils respirent, alhamdoulilah. Vous êtes trop mignon. T'as de beaux yeux, tu sais. Zénéno. Trop mignon. Votre maman va venir maintenant, va vous nourrir. Moi, je peux pas vous nourrir, sinon elle va pas vous nourrir.
Ben voilà, hein. Des vacances dans mon balcon.
Voilà les amis, je vais couper ma vidéo. Deux pigeonneaux trop mignons. Et ils viennent toujours dans mon balcon. Il n'y a pas de solution. Eh ben, ils sont la bienvenue. Au revoir les amis. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Au revoir.